Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du coffret programme double comprenant les films Eraser avec Arnold Schwarzenegger, James Caan et Vanessa Williams et le film Collateral Damage mettant en vedette toujours Arnold Schwarzenegger, Ilia Koteas, Cliff Curtis et John Leguizamo. C'est un coffret distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 7 juin 2011. Arnold Schwarzenegger tient la vedette de deux films d'action à succès des plus explosifs. Dans Collateral Damage, il incarne un pompier qui a perdu sa famille dans un attentat terroriste à la bombe dont il traque le responsable. L'action se transporte de Los Angeles à la Colombie, puis jusqu'à Washington, D.C. Pour le film Eraser, l'agent John Krueger doit protéger une femme qui a découvert un complot visant à mettre dans des mains mal intentionnées une arme puissante. Le héros de l'histoire, c'est Krueger, et il causera bien des ennuis à tous ceux qui pourchassent sa protégée. Eraser est un film avec un scénario pas mal exagéré, mais bourré d'action, de méchants gros bras et de cascades irréalistes typiques des années 90. Le mélange de tout est très efficace et on peut pas dire qu'on s'ennuie car c'est très divertissant. La scène d'action avec le crocodile est vraiment une scène à voir. Moi, je trouve que c'est un très bon film avec Arnold qui a sa place vraiment dans votre collection. Pour le film Dommages collatéraux, par contre, c'est pas nécessairement le meilleur film de Schwarzenegger, mais c'est quand même un divertissement acceptable. Il campe le rôle d'un pompier plus terre à terre, plus humain, qui a des faiblesses comparativement à ses autres personnages presque tout le temps invincibles. Le sentiment qui ressort le plus est bien sûr la vengeance suite à la mort de sa femme et de son enfant par des terroristes. On a droit à plusieurs explosions intéressantes, mais une histoire mieux fignolée n'aurait pas nui par contre. C'est un film qui va plaire avant tout aux fans de l'acteur. Les pistes sonores principales pour les deux films sont en anglais DTS HD 5.1, anglais 5.1, espagnol 5.1, français 5.1, parisien, en plus du français 5.1 doublé au Québec pour le film Eraser, ainsi que des sous-titres en anglais, français et espagnol et plusieurs autres langues. L'image est panoramique 2 sur 40 pour Eraser et 1 sur 85 pour Collateral Damage. Pour les suppléments, on a pour le film Collateral Damage un commentaire audio par le réalisateur Andrew Davis. On a le making of du film. On a la featurette The Hero of a New Era Reflection on Collateral Damage qui explique les raisons du film suite au 11 septembre 2001. On a des scènes additionnelles et la bande-annonce du film. Et malheureusement pour le film Eraser, mais il n'y a aucun supplément de disponible. Donc, on a ici droit à deux films bourrés d'action qui plaira avant tout aux fans de l'acteur et qui permettent de se procurer deux de les films de l'acteur en Blu-ray pour un prix, disons, très raisonnable. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.